L'oracle modulaire Redstone, aujourd'hui on va parler comment jouer ce nouvel oracle qui va arriver dans les prochaines semaines avec la campagne qu'ils ont en cours, donc pour collecter des RSG qui vont sûrement se transformer à l'avenir en token Redstone, même si la team dit qu'il n'y aura pas d'airdrop. Donc à la place du mot airdrop, je vous propose qu'on utilise le mot bip, comme ça au moins il n'y a pas de confusion. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment maximiser vos chances d'avoir le bip de Redstone en collectant un maximum de gemmes RSG. C'est parti. Je vous ai déjà fait une première vidéo sur qu'est-ce que Redstone, pourquoi c'est si intéressant que ça, pourquoi c'est si innovant. Donc je vous invite à aller regarder la première vidéo que j'ai faite. Là, on va vraiment s'intéresser à comment aller plus loin dans le projet, comment jouer ce projet concrètement puisqu'il n'a pas de token pour l'instant. Donc première étape, on va se rendre sur le Discord de Redstone. Donc je vous mettrai le lien en description. Et vous allez voir que vous allez, en fait, par des actions assez simples, pouvoir collecter des RSG qui, comme dirait la team, représentent votre engagement avec Redstone. Donc, on va passer en revue les différentes actions que vous pouvez faire dans le Discord de Redstone pour, justement, farmer au mieux ce projet. Donc, selon l'équipe de Redstone, en fait, les gemmes Redstone, les RSG, sont vraiment les points de votre activité, en fait, qui vont permettre de mesurer votre engagement dans l'expédition Redstone. Donc l'expédition Redstone, c'est une suite de quêtes que vous allez pouvoir réaliser qui n'a pas encore commencé, donc le timing est vraiment excellent pour commencer à collecter des RSG qu'on pourra voir encore plus dans les prochaines quêtes. Donc on va passer en revue justement les différentes actions que vous pouvez faire. Première chose, avant toute chose, c'est d'aller dans le salon Warpy que vous trouverez juste en bas et juste ici. Et vous allez devoir en fait connecter votre wallet EVM et ça va permettre de faire un lien entre Discord et votre lien EVM pour commencer à collecter des points. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Donc Warpy, c'est ça, donc avec une belle Redstone Expedition Coming Soon. Vous descendez et là donc actuellement j'ai collecté 39 218 RSG. Donc j'ai un booster, je vous expliquerai tout ça juste après. Et je suis actuellement 1366e. Au classement. Donc une fois que ça c'est fait, une fois que vous avez connecté votre wallet à Warpy, vous allez avoir différentes manières de collecter des RSG. Première chose, c'est d'écrire des messages pertinents dans le chat général. Pour chaque message, vous allez collecter 10 points, donc 10 RSG à chaque message que vous allez envoyer. Alors pas de spam évidemment, le but c'est d'aider les nouveaux, c'est de poser des questions pertinentes, c'est d'apporter vraiment de la qualité à Redstone. Ensuite, de mettre des emojis au message également, ça va vous permettre de collecter un point par emoji. Ensuite, on a tout ce qui va être le programme d'ambassadeur Redstone. Je vous ferai une vidéo dédiée à ce programme qui est assez complet et ça va vous permettre d'avoir des multiplicateurs en fait sur vos gains de RSG, mais également des allocations de RSG et même de Redstone token à l'avenir. Donc, je vous ferai une vidéo vraiment complète sur ça. Ensuite, il y a des campagnes Galks, il y en a une en ce moment d'ailleurs pour Blast. Souvent, ces campagnes vous permettent d'avoir 5000 RSG d'un coup, donc ça peut être très intéressant à faire, sachant que c'est que des quêtes qui sont globalement sociales, on va dire, vous devez vous engager socialement, il n'y a pas d'argent à dépenser ou quoi que ce soit. Ensuite, il y a de l'activité on-chain, donc ça, c'est pas encore actif, dans le sens où justement l'expédition n'est pas lancée officiellement avec les quêtes on-chain, donc ça va arriver normalement semaine prochaine, si je me trompe pas. Ensuite, on a tout ce qui est création de contenu. Ça peut être des articles, des vidéos, des blogs, des threads, un peu tout ce que vous voulez. Et les meilleurs de chaque semaine et de chaque mois peuvent gagner 10 000 RSG par semaine et 20 000 RSG par mois. Donc moi, je l'ai eu une fois grâce à une vidéo. Donc ça fait vachement plaisir. Donc je vous invite à participer. Il n'y a pas besoin d'être un super créateur de contenu ou quoi que ce soit. Un peu de créativité, un peu de travail et ça devrait le faire. Et enfin, pour finir, participez activement à l'expédition Redstone qui est inactive. Comme je vous ai dit, ça sortira dans les prochaines semaines. Donc voilà, il y a pas mal de tâches en fait qui vous permettent de collecter des RSG, que ce soit d'écrire des messages, de réagir, d'aider les autres, etc. De la création de contenu qui vont vous permettre aussi d'avoir une belle allocation d'un coup. Il y a aussi un zélie qui est en cours avec pas mal de tâches à faire qui vont vous aiguiller dans votre progression. Et pour finir, il y a plusieurs rôles que vous pouvez avoir qui vont booster justement cette progression de RSG. Donc personnellement, j'ai boosté le serveur, donc ça coûte autour de 5 euros par mois. Et ça vous permet d'avoir un boost de deux fois
vos RSG que vous gagnez. Alors pas sur la création de contenu, mais dans tout ce qui est interaction et Redstone Expédition, vous avez un x2. Et il y a d'autres rôles qui vous permettent d'avoir des x2, des x3, et c'est cumulable. Donc c'est assez intéressant, on fera le tour de tous ces rôles dans une prochaine vidéo, parce que ça fait partie du programme Ambassadeur. En tout cas, voilà, là, vous avez pas mal d'infos sur comment commencer à collecter des RSG, comment commencer à se placer pour Redstone en avance. Et le timing, on le sait, c'est très important en crypto. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. On vous attend à la fois sur le Discord de Redstone, mais également de Redstone France, dans lequel je fais partie. On pourra créer une communauté, discuter à propos de Redstone, de comment gagner le maximum de RSG, comment se placer pour l'avenir. Bref, on voit tout ça dans une prochaine vidéo et on se voit sur le Discord. Et je vous dis à la prochaine. Ciao !